طلب العلم فريضه على كل مسلم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي abou rahmatik donc les enfants dans cette dernière leçon nous allons répondre encore à une question que nous avons déjà évoquée pourquoi nous sommes sur terre oui jihad alors très bien Allah azza wa nous a créé Allah azza wa a choisi que l'on euh, vie sur terre, mais surtout, c'est quoi notre mission Je suis sur terre pour. Oui, Jannah Alors, viens le dire pour que tout le monde entende. Abdallah, tu laisses Jannah répondre. Ici, Jannah Alors, on écoute Jannah Adorer seulement Allah. Très, très bien. On a été créé pour adorer seulement Allah Azza wa J'adore Allah, tabaraka wa ta'ala, seul, sans rien lui associer. Et je n'attribue pas d'enfant à Allah. Est-ce qu'Allah, il a des enfants? Non. Et c'est ça la différence, notamment une des grandes différences entre nous et ceux qui ont d'autres croyances. Parce que certains, comme les chrétiens, qui pensent que Isa, Jésus, c'est le fils d'Allah. Est-ce qu'Allah, il a un fils? Et d'autres ils pensent que Uzair, c'est le fils d'Allah. Est-ce qu'Allah il a un fils? Non. Et d'autres comme les associateurs, les Mushriquun, ils pensaient avant que les anges c'étaient les filles d'Allah. Est-ce qu'Allah il a des filles? Non. non. non Allah. On sait même pas si des filles ou des garçons Déjà exactement, déjà les anges. On sait même pas, et c'est même pas ni des filles ni des garçons, mais en plus. Est-ce qu'Allah a des enfants Est-ce qu'Allah a des parents Est-ce qu'Allah a des frères et des sœurs Est-ce qu'Allah a des associés des, des, euh, Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un qui est fort comme Allah non. Qui est plus fort qu'Allah non. non, il n'y a personne qui est égal à Allah. Alors, ici, dans cette dernière leçon, on va voir quelle est. L'adoration qui, euh, qui 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 qu'elle est, l'adoration qu'Allah accepte. Parce que maintenant, vous avez su qu'il fallait adorer Allah, qu'il ne fallait pas lui désobéir, vous avez su que vous allez commencer à faire vos prières, et que vous allez prier, et que vous allez commencer à jeûner, et que vous allez faire des bonnes actions. Mais à quel moment je fais une bonne action et eh bien, c'est quand mon action, elle remplit deux choses. Mettez vos doigts comme ça, comme ça, et retenez ces deux choses. La première chose, c'est laquelle C'est que ta prière ou tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah, pour qu'Allah, il soit content de toi. Tu le fais sincèrement pour lui. Ça veut dire que si je prie, vous savez, les enfants, je vais vous dire quelque chose. Il y a des enfants qui prient. Mais que pour leurs parents. Ça veut dire que quand leurs parents, ils sont là, ils prient. Quand les parents, ils sont pas là, ils prient pas. Ou ils font croire à leurs parents qui prient et dès qu'ils tournent le dos, ils arrêtent de prier. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ton papa et ta maman qui vont te faire rentrer au paradis? Mais non. Nous, on prie pas pour les parents, mais on prie pour... Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, regardez, la deuxième. Si tu veux qu'Allah, il accepte ton œuvre, c'est quoi la deuxième C'est que tu pries ou tu fais tes actions, tu fais tes bonnes actions comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il les a fait. Un exemple lorsque je fais la prière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné de réciter la Fatiha dans la prière. Si moi, je veux pas réciter la Fatiha, est-ce que ma prière, elle va être acceptée Non. Ou il nous a dit, quand on fait quatre raka'at, quatre unités de prière pour le Asad. Si moi, j'en fais huit, j'en ai fait plus. Mais est-ce que Allah, il va accepter cela de moi Non. non. D'accord Donc ça, retenez les enfants. Retenez les enfants. J'adore Allah seul, sans rien lui associer. Et l'adoration, c'est pas que la prière. Moi, je vous ai donné depuis tout à l'heure l'exemple de la prière, mais l'adoration, c'est quoi? C'est tout ce qu'Allah, il aime et tout ce qu'Allah, il, il agrée, il accepte. Deuxièmement, il est important de retenir la leçon, c'est que j'ai qu'un seul exemple, un seul modèle. C'est qui notre exemple? C'est qui notre modèle? qui notre. Je dois faire comme qui? Je dois prier comme qui? Je dois jeûner comme qui? Je dois manger comme qui? Je dois boire comme qui? Je dois dormir comme qui? Comme qui? Manel? Très bien, comme Mohammed Sallallahu alayhi wa D'accord, les enfants? Ça, c'est quelque chose de très, très important. D'accord, je dois tout faire comme le prophète mohammed sallallahu alayhi wa et on termine rapidement sur le fait de connaître et de comprendre qui est mohammed alayhi salatu wasallam, et qu'est-ce que ça signifie Muhammadur rasulullah. Alors sachez les enfants, mais approchez ici, baissez les mains et Écoutez bien, ouvrez vos oreilles parce que c'est très important de comprendre cela. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est né à la Mecque. Il est né durant l'année de l'éléphant, l'année où il y a un méchant monsieur qui s'appelait Abraha qui est venu avec une grande armée. Ils ont tout détruit sur leur passage et ils voulaient détruire la Kaaba. Alors Allah, il a envoyé des oiseaux par volée. Chaque oiseau, il avait trois cailloux, un dans son bec et deux dans ses pattes. Et ils, ils ont, Allah il a ordonné aux oiseaux de détruire l'armée. Et durant cette période-là, cette période, elle s'appelle l'année de l'éléphant. Alors le prophète, il est né durant cette année. Mais vous savez que lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, son papa, il est mort. Il était orphelin. Et on doit être gentil avec les orphelins. Alors, c'est sa maman qu'il a. Il a été avec sa maman et il a eu aussi une mère de lait, celle qu'il a allaitée, qui s'appelait Halima. Et ensuite, sa maman. Donc, son papa, il s'appelait comment, Abdullah Tu sais comment il s'appelait le papa du prophète Alors, je pose la question à Abdullah. Tu sais pas Eh bien, il s'appelait comme toi. Son papa, il s'appelait Abdullah. Et sa maman elle s'appelait Amina. Répétez Amina. Amina. Ensuite, il a vécu avec sa maman un, un, un moment et lorsqu'il avait six ans. C'est grand, c'est petit, six ans. C'est petit. Ça. comme toi. Et ben lorsqu'il avait six ans, et ben sa maman elle est morte. Alors c'est son grand père qui l'a élevé jusqu'à ce qu'il avait huit ans et à huit ans son grand-père aussi est mort. Alors regardez le prophète alayhi salatu والسلام, il a vécu des épreuves dans la vie mais il ne s'est pas découragé, mais il a continué à vivre et ensuite à l'âge de 25 ans, il s'est marié avec Khadija. Répétez Khadija. Khadija, est et ensuite, à 40 ans, il est, il est devenu prophète. À 40 ans, il était dans la qu il, est, il était à la main, il était dans la grotte de Hira. C'est une grotte qui est dans une grande montagne. Et là, l'ange salam, il est venu Il lui a dit, إِqara, répétez, Ikara". Ikara. ça veut dire lit. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa il ne savait pas lire. Ensuite, Jibril, lui a révélé, par Allah azza il a ordonné à Jibril, alayhi salam, de révéler les premiers versets du Coran. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu prophète à l'âge de 40 ans. Ensuite, pendant 13 ans, il est resté à la Mecque. Et pendant 13 ans, il a appelé les gens à dire ⁇ Il a là ⁇ Et ensuite, les gens, certaines personnes à la main qui se sont moquées de lui, ils ont dit qu'il était fou, ils ont dit qu'il était ensorcelé, ils ont dit que c'était un menteur, ils ont dit des mauvaises choses sur lui, à tel point qu'ils ont même voulu le tuer. Alors à ce moment-là, Allah Azzawajal lui a ordonné de quitter la Mecque pour aller à Médine Et les gens de Médine, ils ont accueilli le prophète Muhammad. Sallallahu wa et ensuite, il est resté dix ans à Médine Il a quitté la Mecque à 53 ans Il est resté dix ans à Médine Et il est mort à 63 ans et c'est pour cela, les enfants, que dans notre cœur, on se doit d'aimer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et je dois obéir, mettez vos doigts comme moi, je dois obéir à tout ce qu'il m'a ordonné. Je dois m'écarter et m'éloigner de tout ce qu'il m'a interdit. Je dois croire en tout ce qu'il nous a informé. Et je dois adorer Allah. Comme lui, il adorait Allah. Ça veut dire que lorsque tes parents ou tes enseignants ou quelqu'un il te dit attention, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, a dit de faire cela, je le fais sans réfléchir. Et lorsqu'on te dit attention, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam, nous a interdit cela, alors je ne le fais pas. Et lorsqu'on te dit le prophète sallallahu alayhi wasallam, a dit dans un hadith authentique J'y crois. Tout de suite, même si c'est quelque chose que je ne comprends pas, j'y crois. Et lorsqu'on te dit de faire des dehars, lorsqu'on te dit d'être bon envers tes parents, de faire la prière, de jeûner, de prier, de faire toutes les bonnes choses, les bonnes adorations, je dois le faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait. Mais est-ce qu'on l'a déjà vu, nous, le prophète alayhi wa sallam On l'a pas vu, mais... On doit étudier sa sunnah. Et répétez la sunnah. la sunnah. Je dois apprendre la religion pour savoir comment il a fait. Et j'apprends ma religion dans le Coran. Répétez le Coran. Et, et la sunnah. Avec la bonne compréhension, c'est-à-dire la compréhension des savants qui sont passés avant nous et à leur tête ses compagnons, parce que je dois aimer. جميع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله طلب العلم فريضة على كل مسلم Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.